Salut à tous, Celti, j'espère que vous allez bien. Salut à Team Liker, salut à tous, à ceux qui likent les vidéos. Évidemment, une grosse dédicace à vous. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Le lien se trouve dans la description pour la télécharger, cette application qui donne toutes les news sur le foot. Moi, je l'utilise tous les jours sur mon téléphone. Donc, si vous voulez la télécharger, c'est en dessous. Franchement, vous pouvez suivre, c'est hyper bien foutu. Vous pouvez suivre les clubs que vous aimez, les championnats que vous aimez, mais aussi les joueurs que vous aimez. Vous avez juste à rentrer ça au début quand vous l'installez. Essayez-la et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous verrez, vous ne serez pas déçus, elle est très pratique. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Saint-Tron et notre joueur suédois Sven Alstin. Alors, je vous ai dit que je ferais des résumés. J'ai joué 2-3 matchs récemment hors vidéo, mais je trouve que faire des résumés quand on est MOC, eh ben, c'est pas terrible en fait. J'ai fait un partout et j'ai perdu 2-0. Vous avez vu, pour les matchs, c'est compliqué. Le début de championnat, il est compliqué. Hein. Je vous avoue que c'est pas facile, mais j'ai envie de vous dire, faire des résumés en fait. Je trouve que dans ce, c'est comme, enfin, en étant milieu, c'est un peu compliqué. Je vais lancer le match en même temps que je vous raconte tout ça. Mais c'est un peu compliqué. Je préfère vous faire des matchs en entier. On va jouer contre la Gantoise aujourd'hui. Ça risque d'être chaud. Et attendez, on va juste voir combien on est au classement. Mais je crois qu'on est vraiment en bas hein. Pour le moment. J'ai fait 4 matchs, j'ai mis 2 buts. Donc, c'est plutôt pas mal. On est 17e sur 18, donc là on est dans la zone rouge, c'est très très compliqué. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que bah forcément, en fait, quand on est milieu, je vais pas forcément essayer de marquer, même si bon, j'ai mis 2 buts en 4 matchs. Je vais essayer de faire des passes D et tout, mais faire des résumés, parfois en fait, je vais pouvoir faire un bon match, bien construire le jeu, etc., et ne pas marquer de but. Et parfois, je vais pouvoir mettre un but et avoir fait un match pourri. Et du coup, je sais pas, je trouve que mettre les meilleures actions, souvent les meilleures actions, enfin moi, les actions dont je suis plus content dans les matchs, c'est quand j'organise un peu, que ça part à droite, à gauche, que ça revient, que je trouve une bonne passe. Et c'est pas forcément une action que je vais être décisif en mode j'ai marqué et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, pour l'instant, je pense que je vais mettre que des matchs en entier. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent les résumés, mais vous le savez quand même, moi dans mes carrières, je vous laisse beaucoup les matchs en entier. Et je trouve que c'est vraiment bien pour voir un peu comment je joue et vous montrer comment je joue dans cette carrière avec ce joueur au milieu. Je joue 10, mais je joue un peu 8-10, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va demander la balle là, pourquoi pas une frappe. Ouh, c'est arrêté. Là, c'était bien joué quand même. Allez, je lui remets. Oh, magnifique! Quelle passe D! Là, ça commence bien contre la Gantoise. Ça commence bien et c'est Suzuki qui va marquer ce but. Je crois qu'il s'appelle Suzuki, mais son prénom, c'est Yu... Enfin, il l'appelle autrement dans le jeu, pendant le match, en fait. Super but, hein! J'ai tenté ma chance. Grosse frappe, remise de la tête. Je lui remets direct et il finit. Très, très bien. Là, franchement, c'est Yuma Suzuki. Mais sur son maillot, c'est marqué Yuma. Voilà, c'est ça. Allez, on va l'appeler Yuma ou Suzuki. Ça dépend des moments. Allez, premier but. J'étais en train de vous expliquer un truc en plus. Super d'avoir marqué contre la Gantoise directement. Et d'avoir, enfin, surtout fait la passe D et bien participé à l'action. Allez, on va continuer comme ça. Défensivement, il faut toujours que j'aille prendre le joueur qui est en rouge. Je vais essayer de m'y tenir. C'est vrai que défensivement, je fais un peu n'importe quoi parfois, vous le savez. Mais je vais essayer de prendre mon joueur. De le garder. Maintenant, il va falloir que je monte sur celui-là. Disons qu'il faut souvent changer, donc c'est pas très pratique. On va aller sur lui. Mais donc voilà, je trouve que cette série, vraiment, c'est pas... Attention à la frappe. C'est pas vraiment le but de mettre que des highlights et de mettre des buts, etc. Parce que forcément, ce sera plus décevant que de faire la saison, la série avec l'attaquant, où là, vraiment, c'était full. On marquait plein de buts, on était souvent décisif. Là, ça va pas être pareil. Regardez, là, j'essaye d'organiser le jeu. C'est ça qui va me plaire aussi, quoi. Allez, à ça, moi. On va leur demander la balle. Regardez, il y a un appel de Reader. Yuma. Oh, le but d'Yuma, le doublé d'Yuma contre la Gantoise. Ça, ça fait plaisir. Il est chaud, le japonais, Yuma. Il nous fait son Cristiano Ronaldo. Là, il s'est un peu emballé. Il est complètement chaud. Mais voilà, ça fait plaisir, franchement. 2 buts directement. Alors qu'on est 17e et qu'on vraiment on galère. Hein. Je vous avoue, là, on est en galère de fou au championnat. On a très, très mal commencé. Et alors là, si franchement, on peut arriver à choper une victoire, mais attention, parce que c'est sûr que la Gantoise va se réveiller un moment. Si on pouvait choper une victoire, je vous rappelle qu'on joue en ultime. Donc, c'est la première fois que je fais une carrière en ultime. Non, j'avais commencé au gardien aussi, mais c'est la première fois dans le champ, en tant que joueur de champ, que je fais la carrière en ultime. Et d'ailleurs, je me suis dit un peu quand même, je sais que vous préférez les carrières de joueurs. Je vais tenter des carrières manager aussi avec des bons clubs, on va voir. Mais je voulais aussi vous dire pour le futur de la chaîne, ça me démange de faire une carrière défenseur central. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plairait ou pas. Mais je pense que ça peut être assez sympa.
d'également essayer de faire défenseur central et de devenir un grand défenseur. Alors après, voilà, regardez, c'est sûr, il n'y aura pas de but et tout, ce sera que des gestes défensifs. Ce sera à vous de me dire si vraiment vous pensez que ça peut le faire. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est un truc qui me démange quand même un peu. Et j'aimerais bien tenter l'expérience au moins, quoi. Allez, à Samoa, bien joué ça, sur Mboyo. On va lui demander la balle à Mboyo. Ah là là, j'ai failli la trouver, la passe, dommage. Et attention, ça donne une contre-attaque. Là, c'était un peu de ma faute, cette perte de balle. On va essayer de limiter la casse, ça va. C'est pas mal, on a au moins empêché la contre-attaque. Ça revient, deux poitres. Ça arrive vite. Super. Allez, la relance. Dommage, on a essayé de relancer sur moi. Deux poitres encore qui récupèrent la balle avec Bezus et Waller. Waller, je sais pas comment on le dit. Allez, c'est bon, on a la balle. Attention, c'est compliqué là. Compliqué, mais justement, on a réussi à sortir du marquage. Je joue super bas, mais j'essaie de relancer tranquille. Voilà, superbe. Allez, on oriente le jeu du côté gauche avec Filipov. Passe à moi. Bien joué, de Reader. On avance tranquillement, Yuma. Bien joué, Mboyo, de Reader. Là on joue bien, c'est pas mal. Dommage, j'ai pas pu la garder celle-là. Allez, pour l'instant c'est la mi-temps, on mène 2-0. On fait un super match, honnêtement. Je trouve que Yuma, là, c'est vraiment l'homme du match pour le moment. Il faut pas s'emballer, en tout cas moi je suis tout en vert aussi. Donc l'entraîneur est content de moi, ça fait plaisir. Et c'est la Gantoise en face, donc c'est pas n'importe qui. C'est une équipe qui joue l'Europe, etc. Qui a de l'expérience. On va essayer de faire quelque chose. Et je récupère la balle pour commencer cette seconde période. Ça commence bien. Allez. À Samoa. On va lui reproposer de monter la balle. Allez, j'ai tenté un centre. C'est pas fou. Yuma. Oh lolololo, Yuma. Oh, quelle passe, dommage, j'avais fait la passe tout à gauche, vous avez vu, il y avait un appel, ça aurait pu passer. Dorsch pour Plastin. Plastin, est-ce qu'on va la récupérer cette balle? Bezus qui résiste physiquement, Yaremchuk. Allez, on va redescendre maintenant pour défendre. C'est un match quand même assez, c'est pas facile, ça m'étonnerait pas qu'il mette un but, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Mais il m'a mis un gros vent lui. J'ai perdu la balle juste devant, c'est pas terrible tout ça. Allez, ça relance, c'est parti. Mboyo. Ah, dommage, ça, dommage, ça passe à... Parfois, les passes sont pas vraiment justes, mais ça passe à rien, quoi. Yaremchuk, attention, on sent que la Gantoise est en train d'attaquer vraiment fort, là. De Reader. Allez, la passe en profondeur. Je commence à être vraiment léger physiquement, là, j'en peux plus. Dommage, on n'a pas réussi à concrétiser cette occasion. Deux poids qui jouent en pivot. Attention, ça part sur le côté droit. Avec Osman, ils sont plusieurs devant. Attention, Osman prise à deux. Bien joué ça, la défense. Osman qui est obligé de reculer. On va récupérer ce ballon. Et là, je pense qu'il faut jouer tranquille parce qu'on est sur un temps fort de la Gantoise. Je dis ça et en même temps, j'ai envie d'aller vers le but. Mais on va essayer de monter le bloc. Allez, c'est parti sur le côté. Yuma qui me la met. Dommage, j'étais pas trop au courant qu'il allait me la mettre. Là, je vous avoue, je l'ai pas demandé. Et du coup, là, il a pris l'initiative de me mettre cette balle. C'était pas facile. Allez, attention, sur le côté gauche, ça arrive vite. En fait, quand il y a des temps forts comme ça, là, il y a un peu un temps fort de la Gantoise. Il faut que j'apprenne à mettre le pied sur la balle. Quitte à casser le rythme et à récupérer le ballon. C'est un peu des... Vous connaissez le foot. C'est un peu fait de temps fort, temps faible. Il faut savoir gérer ces temps faibles. Et là, je sens que nous, on est dans le mal. Et si on récupère la balle, il va falloir que je remonte le bloc. Et que j'essaye de la garder. Attention, voilà, je sentais complètement qu'on allait prendre ce but. Et voilà, 75e maintenant. Ils reviennent à 1-2. Et comme je vous disais, ils sont en temps fort. On le sent complètement. Et il faut qu'on arrive à garder la balle maintenant. Et à essayer de tuer leur temps fort, justement. Pour essayer de casser ça, cette dynamique.
Allez, Ashioka. On oriente le jeu sur Biatou, Durkin. Allez, on peut jouer à droite maintenant. Ils vont jouer à droite ou pas? Ouais, je pense. Bien joué, Yuma. Yuma qui garde le ballon. On peut jouer derrière, Yuma, pas de problème. Ah, ça joue bien, ça. Bien, 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 bien. Filipov. En profondeur. Dommage, c'est perdu. Mais regardez, on a monté le bloc. C'est plus dur pour eux de ressortir. 83e minute. Et c'est ça qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire en tant que milieu. Allez, attention, surtout pas prendre de but maintenant. Hein. De Poitre. De Poitre, il était passé. Attention contre. Oh là là, ils font peur. Ok, Texera. Texera, on va lui demander la balle en profondeur. Il y a moyen. Oh, on avait trouvé l'attaquant, dommage. C'est récupéré par Haussmann. Avec Kums. C'est la fin du match là. Il faut vraiment tenir, hein, les gars. Dorsch. Et c'est gagné. Waouh! Ça fait plaisir. Hein. Franchement, je pensais pas du tout qu'on gagnerait 2-1 contre cette équipe de la Gantoise. C'est, à mon avis, une grosse surprise de cette Pro League qu'on arrive à gagner. J'ai gagné de l'accélération, de l'interception. Ça va me faire du bien. Je pense que ça va me faire du bien. J'ai encore été en rouge pour les tacles. Je sais que je fais pas bien les tacles, ça c'est sûr. J'ai tendance à toujours tacler pour toujours essayer de jouer. Je suis un peu nerveux sur les tacles. Mais bon, parfois je récupère des ballons quand même. Donc c'est vrai que je suis un peu partagé parce que, évidemment, quand vous faites plein de tacles, vous allez faire baisser votre note. Mais si vous mettez la pression comme ça, vous pouvez quand même récupérer des ballons. Donc parfois, c'est quand même pas mal de pouvoir tacler comme ça. Prochain match, contre qui on va jouer cette fois-ci? Contre Genk. Je pense que ça va être une grosse équipe aussi du championnat. On va tout de suite lancer ce match. À mon avis, ça va être dur. On a un enchaînement là qui n'est pas facile. Mais en tout cas, ça fait plaisir de découvrir aussi ce championnat de Belgique qui est assez méconnu en France. On va pas se mentir. On connaît quelques clubs, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas toutes les équipes. Et du coup, bah, c'est cool. C'est cool parce qu'à travers cette carrière également, bah, je me mets à connaître les d'autres championnats. Et c'est franchement pas mal. Allez, c'est parti. Contre Genk. Bah écoutez, on va voir comment ça se passe. On vient de gagner, on est sur une bonne dynamique. On va essayer de continuer comme ça. Et bah c'est parti, let's go. Hein. Moi je m'éclate bien en tout cas. J'espère que vous le sentez aussi et que vous aimez bien regarder les vidéos. Mais depuis que j'ai commencé cette carrière de milieu, je m'éclate vraiment bien à faire le jeu, quoi. J'adore faire le jeu comme ça, c'est très très cool. Allez, c'est parti, Mackenzie. Ils ont un gros, gros stade. Hein. En tout cas, Genk. Munoz. Bongonda. Allez, Munoz. Yoroski. J'ai pas trop eu le temps de voir le nom. Allez, on récupère la balle. Nickel. Texera. Ouf, oh, il est venu me presser, lui. Il avait l'air de physiquement de faire mal. Hein. Yuma. Allez, Yuma, il est là. Yuma, il est là. Je lui mets en profondeur. Yuma, bien joué. Le centre. Ouf, dommage, j'ai fait un centre un peu raté. Mais c'était quand même une occasion créée. Dommage, je ne sais pas là où je voulais la mettre, je vous avoue. Allez. Ah, oh, dommage, j'ai raté ma passe, mais j'avais vu l'appel. Je me suis dit que ça aurait pu être pas mal. Allez, 10 minutes de jeu, pour l'instant 0-0, mais on n'est pas ridicule. On sent qu'on peut avoir des occasions. Ça va le faire. Mackenzie, Vukovic, Lukumi, Munoz, ils veulent repartir de derrière, absolument, et ils ont réussi. Bien joué à eux. Même si c'est un petit peu laborieux, ils galèrent un petit peu, ils retournent derrière, Lukumi, Munoz, c'est pas facile, mais ils vont y arriver. Dessers, Onuachu. Onuachu, physiquement, il a l'air monstrueux, attention à lui. Il a l'air très très puissant, il est hyper grand. Alors là, s'il y a des centres, ça ne va pas se sentir bien, je crois. Reste en position. Il me dit de rester en position. D'accord. Je voulais aider à défendre. Je vais pas aider. Allez, attention. Preciado. Bongonda. Ça se rapproche pour Genk. Attention. Porozowski. Bongonda. Oh là là, je le sens pas bien. Ito. Oh, Ito qui dribble. Oh, quel arrêt de Daniel, notre gardien. Bien joué, hein. C'était chaud.
Et c'est encore chaud, hein, d'ailleurs. Oh là là, Onuachu qui est très très grand et qui a pris la tête. Comme je vous l'avais prédit, là, faut faire attention sur les centres, vraiment. Allez, ils sont sur un peu sur un temps fort, hein, pour le coup. On va essayer de garder la balle un petit peu si on la récupère. Ah, c'est bien joué, ça. Je m'auto-congratule, mais c'est vrai que j'ai bien kiffé la passe que j'ai faite, là. Dommage. On a été bien, là, en contre-attaque. Lukumi. Qui va relancer proprement sur Ito. Allez, ça, la défense de jouer, maintenant. Preciado. Enen, Ito. De Serre. Rozovski qui va trouver Bongonda sur le côté. Oh là 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 là, ça se rapproche vraiment là, attention les gars. Ça se rapproche carrément, ils font ce qu'ils veulent là défensivement, on est complètement à l'ouest hein. On est complètement à l'ouest défensivement. Oh, il est tout seul Rozovski, on n'arrive pas du tout à fermer à couper les lignes de passe, on est complètement en panique. Attention les amis. Si on récupère ce ballon, il faut vraiment qu'on essaie de la garder un petit peu. Allez, Yuma. Allez, je la mets à Yuma, dommage. Ah, j'ai essayé de trouver une belle passe. Compliqué, mais à chaque fois qu'on a la balle, on arrive à avoir une occasion. Le problème, c'est qu'on ne touche pas la balle sinon. Donc, faut vraiment, on n'aura pas beaucoup de chance, quoi. On n'aura pas beaucoup d'essais, il va falloir marquer au bout d'un moment, sinon ça va être la punition. C'est comme ça que je sens le match. Si on ne met pas un but rapidement en premier, ils vont finir par marquer, ça va être très très dur de revenir après. Parce qu'ils gardent vraiment la balle. Allez, celle-là, je me suis bien battu pour la récupérer. Waouh. Ça part sur le côté droit, je ne sais pas s'il va y être. Allez, il faut que tu y sois. Texera, dommage. Il a poussé la balle en touche. Dommage, dommage. C'est très, très dur hein, pour nous cette première période. Zéro tir. Je ne sais pas comment on va s'en dépêtrer de cette situation. Après, voilà, il faut aussi savoir que parfois les matchs peuvent tourner entre la première et la seconde période. Ça peut complètement changer. Allez, de Reader. On est tous devant, là, c'est bien. Texera. Alors, on va chercher la profondeur, les passes devant. De Reader. Pour Yuma. Ah, j'essaie de lui remettre encore, dommage. C'était bien joué, ça, pour le coup. Hein. Munoz. Alors, on a eu une bonne phase de possession. Bongonda. Munoz, de Cers. Je suis ultra concentré, les guys. Skriniar qui va arriver au Bayern. Transfert confirmé. De Cers. Attention au Nuachu. Attention à la puissance de Nuachu. Il faut aller sur lui, les gars. Il faut pas le laisser comme ça. Il faut aller sur lui. Ito sur le côté. Attention, Ito. Il est virevoltant. La frappe de Ito. Bien joué. Allez, on a une contre-attaque, là. Allez, je lui mets une bonne passe à Yuma. Oh, c'est dommage qu'il s'excentre. Oh là là, Yuma, qu'est-ce que tu nous as fait, dommage. Ah, il a essayé, c'est pas de sa faute. Il a essayé, mais il a pas réussi à aller dans l'axe. C'est vrai qu'il s'est déporté à droite et après, la porte s'est fermée, quoi. Allez, contre-attaque, c'est moi qui ai la balle. Allez, on va tenter un centre. Ouh, dommage. Allez, on a quelques occasions, les gars. Ça va être dur, mais on va s'en procurer quand même encore au moins une. Il va falloir la marquer cette fois. Hein. Onuachu. Oh là là, j'ai failli l'avoir. Preciado. Onuachu. Attention. Attention à sa puissance. Il va faire la passe. Ça joue bien. Allez, c'est reparti, HEK. Allez, de Reader. On va monter le bloc, là. Cette fois, on va marquer, les gars. On va marquer. De Reader.
Allez, prends ton temps. Bien joué. C'est bien joué. Je la mets en profondeur. Le centre. Il m'a fait la passe là. C'était pas un cadeau quand même, je vous avoue. Oh, le pressing qui a failli marcher là. Munoz, ils arrivent bien à se ressortir. On était tellement haut là. Vous avez vu le pressing? Il a vraiment failli marcher, hein. Attention, après cadeau. Desserts. Allez, il faut la, faut la, faut pas le laisser Preciado y aller. Attention, la passe elle est ratée. Daniel qui récupère la balle. 10 minutes à jouer. Et c'est super tendu comme match. Vraiment, c'est super tendu, hein. Allez, on joue sur le côté gauche. Pareil, il faut monter le bloc à fond, hein. Je pense qu'on marquera pas si on monte pas tout le bloc. Allez, Mboyo. Ah, Mboyo, il a du mal à garder le ballon, hein. Il s'est fait bouffer, Mboyo, ce match-là. C'est pas que je veux plus lui donner la balle maintenant, mais à chaque fois, il se fait un peu bouffer, il se fait bouger. Ito. 85e, on aura peut-être une dernière occasion. Et encore, c'est pas sûr, attention. Ouh là là, Samoa. Oh, bien joué. C'était compliqué. Est-ce qu'il va l'avoir? Oui, là, Mboyo. Cette fois, il a bien bougé le défenseur, justement. Allez, je la mets à, à Yuma. Yuma. Oh, il tire à côté, Yuma. Dommage. Oh, il a essayé de tirer angle fermé. On a l'occasion du match à la fin. Oh, dommage. On a vraiment la plus grosse occasion. J'ai joué juste, hein. Je lui ai donné la passe au bon moment et tout, mais c'est dommage. C'est pas passé. Waouh, ça passe à ça, quoi. On est à ça d'arracher un espèce. Ça aurait été un peu un hold-up, je vous l'avoue. Ça aurait été un petit peu un hold-up, mais on est à ça de le faire, hein. C'est vraiment dommage. Bon, en tout cas, bah écoutez, 0-0 contre Genk. On a gagné contre la Gantoise. Je pense on peut être plutôt satisfait de nous. On va voir au classement si on a fait un petit saut quand même, si on est remonté. À mon avis, oui, quand même, on a dû quand même monter un petit peu. On peut zapper ça ou pas? On peut pas vraiment le zapper, hein. Non. Au niveau du classement, on va juste voir ici où on en est. On est remonté 11e avec 6 points. Ben voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On remonte tranquillement. En tout cas, merci à ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse. Et merci à ceux qui mettent des likes sur la vidéo. Je vous remercie encore. Sur ce, on se voit très bientôt pour plus de carrière. Et c'était Altice. Ciao à tous, à plus tard. Bonne soirée.